In your wickedness, you have broken the ancient commandments and crafted a bond with one of the light. Our laws are clear. They demand you be eternally imprisoned. As for the impure child, she must be kept from the path of the dark arts forever. Ben voilà, on a vu, je crois on l'avait déjà vu en plus pour la vidéo découverte, mais on a revu le petit, la petite scène d'introduction, voilà, on se retrouve pour le test de Bayonetta. On a même droit à une petite séquence de gameplay, donc on va regarder, comme ça voilà. Donc voilà, oui, on se retrouve pour le test de Bayonetta, ça va être à mon avis pas super long. Pour la simple raison que j'ai pas 36 000 choses à dire sur un beat'em all, étant donné que c'est loin d'être mon genre de prédilection. Mais bon, vu que je l'avais fini, je me suis dit quand même, je vais glisser un petit mot dessus. Même si je suis loin de l'avoir fini de façon optimale, c'est-à-dire que je l'ai pas fini en super difficile ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai plutôt eu tendance à passer facilement dans le mode facile. Pour éviter de me prendre la tête, parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis pas un grand fan de beat'em all. Hop, voilà, on enchaîne. Je vais baisser un peu le son. On va jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait charger partie. Et hop, on va prendre... Voilà, on va prendre là. Ah, vous voyez, toutes mes sauvegardes sont en facile auto. En fait, généralement, je passais... Là, je sais pas, j'ai mis quoi? Chapitre 6, bon... Je sais pas ce que c'est exactement, donc je mets très honnêtement, j'ai mis au pif. Hein. Donc ouais, vous voyez mes sauvegardes ont été en facile auto. En fait, généralement, je faisais le chapitre en facile pour voir ce que ça donnait. Je l'aurais essayé en normal, et quand ça me saoulait trop, je continuais le chapitre suivant en facile. Mais bon, d'accord. J'essaie de me rappeler où on était en fait. Que normalement ça devrait aller. On va essayer de vous montrer quelques... Bon, ça a priori, quand on récupère des bouts de CD, quand on arrive à faire un... C'est pas des CD, c'est des vinyles. Attendez, il faut que je retrouve... Alors voilà, double saut, hop, et hop, voilà. Ok, je ferai l'impasse sur le scénario parce que honnêtement, hein, je l'ai pas suivi du tout. J'ai rien compris. Enfin, déjà en fait, à la fin de la vidéo découverte, j'avais lâché l'affaire parce que je sais pas, je trouvais pas ça. Putain, ta gueule. Je trouvais pas ça intéressant. Donc voilà. Oh merde, j'aurais pas dû le faire sur lui d'ailleurs, l'attaque sadique, je suis con. Putain, j'ai plus joué. Déjà, culé. Déjà que je savais pas bien, mais alors là. Alors là, lui on fait l'attaque sadique, putain, qu'est-ce que... Il va falloir que je reprenne un peu ça en main, donc l'arme je la veux pas. Voilà, là, d'accord. Ça, je me rappelle comment ça marche. Voilà, quasiment à chaque fois qu'il y a un combat, pour pas dire à chaque fois, vous allez avoir un petit truc qui va s'afficher pour dire comment vous en êtes sorti. De Bayonetta, hein, je vous la présente. Je remonte dame. Un peu abusé à la posture, mais bon. Ah, elle flotte un peu dans les escaliers. Pas tout à fait sur les marches, mais bon. Hop. Voilà, tac, tac, tac. Voilà. Voilà, on va avoir droit à un petit boss. Direct. Donc, ouais. Un beat'em all qui a été très largement encensé par la critique et par les joueurs. Hein. Suffit de voir les notes.
Genre, je crois jeuxvideo.com, ça doit être 19 sur 20. Gamekult, ça m'étonnerait pas que ça soit 8 ou 9. Enfin voilà, et... Mais moi, putain, comment j'avais fait ici? Je crois ici, je m'étais pas emmerdé, j'avais commencé par... Voilà, les faire chier au pistolet. Sans... Je l'avais fait en normal, ce boss. C'était plutôt bien passé. Ouais, d'accord. Mais je crois que je l'avais. En fait, justement, c'était un des premiers boss que j'ai fait en normal et que... Enfin, non, pas... Une des premières fois que je faisais un truc en normal et que après je repassais en facile pour voir ce que ça donnait, j'avais halluciné quand même. Pour voir la différence qu'il y avait, justement. J'avais un peu bataillé. Putain, mais... Ah, faut savoir que le système d'esquive est... Putain, il va crever, lui, de toute façon. Voilà. Le système d'esquive est le... Oh putain, action. Action, réaction. Ça arrive comme ça. Alors là, hop, on va mettre des gigatonnes dans sa gueule. C'est pas énorme, 650. Voilà. Oh, mais il est mort. Il est mort ? Non. D'accord. Donc ouais, j'avais halluciné quand même. Je trouvais, autant je trouvais dans le... Oh putain. Bah, il est pas mort ? Oh putain, j'hallucine quoi. Voilà. Allez, vas-y. Ah non, apothéose. Donc ça c'est tout le temps sur les boss, c'est apothéose, donc va falloir encore marteler. C'est fou ce qu'on martèle les boutons. Voilà, dès qu'il y a un finish à faire, c'est martelage de boutons comme un fou quoi. Voilà, donc ça c'est le petit côté marrant, les apothéoses. Ouais, la base du système de jeu est... Enfin, la base du gameplay, c'est l'esquive, quoi. Dès que vous allez esquiver un adversaire, au moment précis où il va vous faire une attaque, ça va ralentir le temps, ça va vous permettre de bien les enchaîner. Donc ça, c'est vraiment le côté... Mais d'ailleurs, même là, vous allez voir que les... Hop, j'active ça. En fait, hop... C'était c'était la base du truc. Il y avait un rayon qu'il fallait esquiver au bon moment. Donc autant dire, en mode facile, l'esquive on s'en fout un peu. On fait même pas exprès de l'enclencher, mais dès le mode normal, faut être bien plus attentif. Là, je me suis clairement mis en mode facile en plus pour la vidéo parce que sinon c'est une purge. En mode normal, faut être concentré pour arriver pour bien gérer quoi. Donc là, j'ai pas bien compris la technique pour passer. Moi, je passe en force. Hop. Voilà. Hop là. Et là, c'est quoi la blague? Ah, c'était ça. Tout à fait. Hop. On active le levier. Donc voilà, au niveau du gameplay, c'est vraiment... C'est en même temps hyper exigeant dès qu'on sort du mode facile, c'est hyper exigeant. Mais à côté de ça, c'est quand même hyper jouissif. Et ça, par contre, dès le mode facile, on s'amuse à enchaîner les combos assez facilement. Bah, ça s'enchaîne presque tout seul, quoi. Donc, ça n'est pas vraiment marrant, mais ça en est impressionnant au moins. Ça par contre, les livres, j'en ai pas ouvert un quoi. Donc y a... Eux ils sont abusés je crois. Eux ils sont abusés, ils sont bien chiants. Alors déjà on va en faire un. Quoi? Ah voilà. Alors là c'est chiant. Celui-là il est chiant, je sais plus quel joystick c'est. C'est le LS, voilà, il faut tourner comme un enculé. Allez, on tourne. 110, je crois que c'était de la merde. Voilà. Alors, que j'ai... Ah mais voilà, vous voyez là j'ai esquivé. Non mais je l'ai défoncé. Ah merde, j'ai pris son arme à lui, mais non je la veux pas. Ah mais c'est bon, je l'ai enlevé. Est-ce que je l'ai enlevé? Ouais. Voilà, à chaque fois le petit bisou pour... Parce que ouais, vous voyez, vous entrez dans une zone, il va y avoir un ennemi qui va... Enfin, un ou des ennemis qui vont apparaître. Ça va faire un mur, faut que vous les tuiez tous. Pour pouvoir passer à la zone suivante. Non, les... Oh, châtier, ça c'est... Je sais pas exactement de quoi ça vient le fait de... Putain,
Le fait de pouvoir châtier un ennemi, je sais pas à cause de quoi c'est en fait. Voilà. Les attaques, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Attendez, on va voir. Comment ils appellent ça? Ah, attaque sadique. Ah mais non, j'allais vous dire que c'est quand on a sa barre pleine. Enfin, alors, vous voyez au-dessus de, en dessous de ma barre de vie, j'ai des ronds. J'allais vous dire que c'était à cause de ça. J'allais vous dire que quand on avait les ronds pleins, on pouvait faire une attaque sadique, mais là pour le coup j'en avais qu'un et j'ai pu le faire donc. J'avoue que j'ai pas bien compris. Oh, vous voyez, à chaque fois on a une petite médaille. Alors ouvre. Voilà. On a une petite médaille pour nous mettre une note en gros à la phase de combat qu'on a eu juste avant. Est-ce que je vous laisse ce cinématique? Non, non, c'est bon. Voilà, faut voir que c'est un jeu qu'il faut prendre au second, voire troisième, voire quatrième, cinquième degré, quoi. C'est du n'importe quoi. Voilà, vous voyez, c'est... Enfin, c'est des chorégraphies, vous voyez, ils lui font faire des chorégraphies. Mais, enfin... Voilà, des gros plans sur le cul, des gros plans sur les seins, dès que... Je sais pas si vous avez remarqué, mais les apothéoses... Bon, je peux passer? Oui, voilà. J'en ai passé aucune cinématique, hein. Autant le scénario m'a fait chier, mais du début à la fin, autant les cinématiques m'ont fait rigoler, donc je les ai à peu près toutes regardées. Bon, voilà, on va le châtier à lui, enfin on va le... Voilà, petite apothéose, hop, hop. Vous voyez, dès que j'esquive, j'essaie de le faire un peu quand même pour vous montrer. On va essayer de m'attaquer. Ah, d'accord. Je pensais qu'ils allaient m'attaquer. Hop, là, esquive. Et de suite, ça ralentit le temps pendant quelques secondes. Voilà, vous voyez, dès qu'on enchaîne un combo, enfin, dès qu'on enchaîne bien un combo, ça fait un final avec... voilà, avec... En gros, avec notre combinaison, c'est un peu le même principe pour les apothéoses. Sa combinaison se transforme en gros truc noir, du coup, elle est censée être à poil, mais bon, on la voit pas. Enfin non, même pas, elle est pas à poil, elle a une sorte de... Ça va être sexy, mais une sorte de string à la Borat, là. Le string bretelle, j'appelle ça, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais c'est la seule image que j'ai de Borat, j'ai jamais vu le film ou quoi, mais voilà. Non, je m'en fous. Voilà, oui. La petite fille avec moi. Hop là. Bah, c'est un peu chiant le truc de bonus là. Je crois on peut le passer, mais j'ai pas vraiment trouvé comment. Enfin, voilà, des fois c'est un peu lourd, sachant qu'on joue quand même pendant, hein, mais bon, voilà. Non. Ah putain. Oh, allez, ta gueule. Voilà. Donc il y a un truc. Hop, quitter. Voilà, je pense que si vous êtes motivé, vous pouvez chercher tous les livres qu'il y a dans le jeu. Ça, c'est vraiment en cas de motivation pure. Mais, oh putain, ça c'était de l'esquive de ouf, ça. Putain, mais il crève pas, hein ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Il y a un truc que je comprends pas, parce que... Je le touche pas, en fait, hein, j'ai l'impression. Ah oui ! Pardon. Oui, je suis con. Voilà. Faut que j'utilise les objets du décor. Putain ! Pour les défoncer, parce qu'on n'est pas dans la même dimension, en haut, un truc comme ça. Non, vraiment, le scénario, je vais pas pouvoir... La zone est fermée, c'est sûrement clôturé, mais rien ne me résiste. Ouh, rien ne te résiste ! Voilà. Mais ici, je crois qu'il y a un truc bizarre. Ramasser ? Ah oui, un truc que... Je sais plus ce qu'il faut faire. Lancer, voilà. Ramasser. Lever. Lancer, bon voilà, faut avancer. Soulever. Lancer. Bon, on va défoncer ça parce que sinon ça va pas le faire. Je crois que je vais mourir, hein. Je crois que je vais mourir. Soulever. Soulever. Vous voyez, dès qu'elle soulève, voilà, ben on le voit carrément en fait son string à la boîte. On continue, on continue.
Bon, par contre, là où c'est. Là où on peut être. Peut être satisfait, c'est sur le côté technique. Même si, graphiquement, ça m'a pas. Mais ça m'a moins impressionné que Devil May Cry qui a deux ans de. Qui a deux ans de. De... Enfin, de plus ou de moins, enfin. Voilà, celui-là il est sorti en. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que j'en foute là? Allez. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, putain, lâche-la! Aïe, il me fait toucher. Je vais crever à force. Hein. Allez, on avance. Ah non, c'est bon, je suis sorti. Médaille d'argent, quoi, la loose. Non, ouais, ça m'a moins. Ouais, ça m'a moins impressionné que Devil May Cry. Enfin, impressionné. Et Devil May Cry, je m'attendais vraiment à avoir un truc. Un truc qui allait faire mal aux yeux, qui allait être moche et tout. Et ben finalement je trouvais ça relativement beau, alors que là c'était je m'attendais à avoir la même chose que Devil May Cry et je trouvais ça un peu en dessous finalement, donc voilà. Mais en revanche niveau du framerate ça cartonne quoi, j'ai pas eu un ralentissement de tout le jeu. Apparemment sur PS3 c'est pas la même, mais enfin putain, arrêtez avec vos cinématiques, il y a beaucoup de cinématiques. Il y a deux types de cinématiques d'ailleurs. Vous allez avoir. On le voit. Oh putain. On va bouffer. Voilà. Bon, toi, on va te défoncer la gueule. Ce sera fait. Gigatonne dans ta face. Voilà, je l'ai fait à fond. Ah là, il est mort. Alors, je sais pas si vous entendrez l'OST. Ah d'accord, bon, si je peux lui faire l'attaque sadique, je la fais aussi. Je sais pas pourquoi je pouvais la faire là. Je comprends pas, j'ai mes ronds au minimum, donc je comprends pas. Donc ouais, si vous entendez l'OST, c'est assez spécial, hein. Mais voilà, encore une fois, c'est... Ça va avec le reste du jeu, c'est à prendre au second degré, c'est un peu de... Comment? De la J-pop, j'ai envie de dire. Je sais pas quoi, enfin... Non, même pas. De la pop. De la pop tout court. Là, je sais pas exactement ce que je dois faire. Voilà, il est sorti. Hop. Donc ils sont très très moches. Donc voilà. Ouais, bah sinon, je crois que... Là je laisse parce que c'est complètement con. Ouais, il tombe amoureux de la petite fille. Voilà. Quand on le tue, il est triste parce qu'il verra plus la petite fille ou un truc comme ça. Enfin, c'est... Complètement con. Et voilà, c'est un jeu à prendre avec humour, qui est un bon passe-temps sympathique. Par contre, moi j'avais lu vous voyez en facile le boss, il vaut rien quoi. J'ai niqué la moitié de sa vie là déjà. En 30 secondes et encore je suis large. Hop, voilà, en plus il arrive même pas à me toucher. Je crois qu'il a plusieurs formes mais bon. Ouais, merde, j'ai perdu ce que je disais. Oh bah non, apothéose. Voilà, on a fait ça, le petit truc. Donc j'ai oublié ce que je disais, merde. Voilà, on balance du gigaton dans ta face. Je vais rater, 600. Ouais, c'est pourri, 600. Ouais, il est triste parce qu'il peut pas... C'est... Voilà, c'est un... Oui, j'avais lu. J'allais parler de la durée de vie. J'avais lu 13 à 14 heures de durée de vie. Oui. Je dirais que. Ouais, je dirais que c'était large. Pour un premier jet. Après, sûrement que. Enfin, il n'y a pas de doute que. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas vu mon double ou un truc comme ça là. Ah, regardez l'ombre. J'aime bien l'ombre. C'est un papillon. Ah putain! Il y a un truc là, j'ai pas suivi. Hop, hop. Oh putain, touché. Touché. Hop. Hop, hop. Ouh. Touché. Ouh, touché. Ça passe, ça passe. Ouais, donc. J'imagine que.
pour un premier, enfin pour un premier jet, voilà, une dizaine d'heures. Par contre, si vous voulez tout faire, ça doit être bien bien long. Je vais laisser cette cinématique aussi parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Donc voilà, un bon gros what the fuck hein, pour cette cinématique, mais bon. Assez c'est un peu à l'image du jeu quoi, je pense que ça représente bien le truc. Voilà, vous voyez là j'ai... 10 secondes pour la défoncer. Deuxième forme. Donc je sais pas trop ce que je peux dire d'autre. Peut-être juste... Putain. Ah bah, je peux lui faire l'attaque sadique, donc voilà, tu es direct. Voilà. Donc c'est relative, enfin ouais. Je crois que j'ai fait le tour, hein. Pour une fois, j'ai pas l'impression d'avoir oublié grand chose, mais en même temps, j'ai l'impression d'être, d'avoir fait ça plutôt rapidement. 20 minutes. Et encore 20 minutes, ouais. 20 minutes, ouais. Hop. Bon, après, voilà. Si vous voulez un test plus approfondi, c'est pas vers moi qu'il faut se tourner, c'est sûr, parce que. Voilà, j'ai pas fait le jeu dans ses moindres détails, j'ai sûrement pas. Je sais pas ce que je fais là. Quoi, miaou? Ça va pas, non? Mon chat qui fait... Qui râle. Tu râles. Oula. Et ouais, je disais, j'ai pas... Je suis sûr que, voilà, vu que j'ai pas fait le jeu dans les difficultés les plus hautes, j'ai clairement pas approfondi le gameplay comme beaucoup l'ont fait. Voilà, ça, c'est l'autre style de cinématique. En mode... Image fixe animée, je... Voilà. Y a pas vraiment d'animation, c'est... Voilà. C'est comme ça. Bon. S'en fout. J'avance. Mais ouais, voilà, sinon... C'est à peu près tout pour en voir plus. Ouais, voilà, là, j'ai fini un chapitre. 12 minutes. Et à chaque fois, voilà, on nous attribue une petite statuette. Je crois pas avoir autre chose à vous montrer. Voilà, pendant le temps de chargement, on a le droit de s'entraîner. Bon, là, c'était plutôt rapide. Ah oui, et bien à la fin, on a ça. On a ça qui sert à... À quoi? Ça nous file des petits bonus. Je suis très mauvais en plus à cette connerie. Faut taper... Merde. Merde, comment on tire? Ah, c'est X. Bon, faut taper du headshot, là. Voilà. 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 Merde, là j'ai raté. Oh, merde. Voilà. 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 Putain, là j'enchaîne bien pour le coup. Hop. Merde. J'en ai tiré une dans le vide. Hop. Et merde, j'en ai tiré une autre dans le vide. Voilà, donc voilà, j'ai gagné 70 trucs. Généralement, je me prenais un cœur bleu pour me mettre un peu plus de vie. Pour le chapitre suivant, là j'ai 30 aussi. Qu'est-ce que... Voilà, une sucette. Sucette. Ah, la fabrication de sucette. Je m'y suis pas plus attardé que ça, parce que, ben, justement. Je saurais même pas y retourner. Mais, je trouvais ça assez... Enfin... Marrant, ouais. Voilà, c'est la petite carte. On va voir si... Est-ce que je peux aller à la fabrication de sucette? Je sais plus, hein. Je ne sais plus! T'arrêtes de râler, le chat? On a aussi bien sûr la possibilité d'acheter des combos.
Mais bon, enfin voilà, combo, arme. Mais rien de transcendant, ça. Putain, je. Je sais pas si vous entendez le. Enfin, le couinement, mais. Genre, c'est le fil dans mon casque qui couine, quoi. Ça, c'est. Ah oui. Oui, voilà. Changer les. Acheter des combos, acheter des armes. Moi, des armes, j'en ai presque. Oh putain. Genre, mais genre. Je vous spoil le déboss, quoi. En plus, c'est un gros boss, celui-là. Bah écoutez, il se passe. Voilà, il vient vers moi. J'arrive à le toucher un peu. Ouais, bah je crois qu'on va en rester. Oh putain! Je regardais ma capture et j'ai réussi à esquiver quand même. Hop. Vas-y, passe. Je sais pas exactement. Ah voilà. Et j'ai foutu. Oui, possibilité d'acheter des combos, d'acheter des armes, je l'ai pas trop fait. Enfin, j'ai acheté tous les combos à un moment parce que justement je m'étais pas attardé sur le truc. À un moment j'avais assez de sous pour acheter tous les combos d'un coup, donc bah, je l'ai fait. Alors on va mettre du gigaton dans ta race. Voilà. Bon ben ouais, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Donc on va pas aller plus loin, ça sert à rien. Surtout que. Voilà, je vous spoil. Putain, il me défonce. Je vous spoil des trucs, alors bon. Je veux bien que. Le jeu est tout le long comme ça, quoi. Y'a pas de. Putain. Y'a pas de temps mort, quoi. C'est abusé tout le long du jeu. Et ça, c'est assez marrant. Donc voilà, ben. Je sais pas si. Ouh, esquiver. Je sais pas si. Si je ferais le Bayonetta 2, sûrement que je le ferais, mais voilà, comme là, je le ferais. Putain. Je le ferais en retard, largement. Esquive. Voilà, il va encore y avoir une apothéose. Voilà. Bon, ben voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.